fait. Joyeux anniversaire, patron! Un joyeux anniversaire! Mais quoi? Joyeux anniversaire! Ça fait 2 mois qu'on attend son cadeau et je peux juste l'offrir maintenant! Oh, des tartes à la fraise! Déjà, premièrement, et j'ai un cadeau! Mais what the fuck? Je veux pas faire le rabat-joie, mais mon anniversaire c'était pas genre il y a 2 mois? Bah, ça fait 2 mois qu'on attend ton cadeau! Ça fait 2 mois que vous attendez mon cadeau? Viens offrir un cadeau de la part de la H-Corp! Putain! De la H-Corp, carrément! Je vais te demander de fermer les yeux! Oh d'accord, putain, mec! Je vais le montrer au chat. Là, je vous le montre. Oh ok, bon, c'est unanime dans le chat. C'est unanime. Tu peux regarder ton cadeau. Oh! Incroyable! Et on t'a fait. Tu as un petit easter egg. Ah oh yes! C'est incroyable dans la capuche! Ah, mec, merci, je te fais. Pas de rien. Bah, merci beaucoup, les gars. Merci énormément. Ça fait super plaisir. Mais tu sais, tant que t'es là, est-ce que on s'improviserait pas une soirée review des différentes vidéos de la chaîne? Et pourquoi pas? Alors, nous, du coup, on a commencé vraiment à bosser ensemble à partir de Test de pureté, souviens-toi. Je suis arrivé, Test de pureté était pas fini. Test de pureté, c'était la V peut-être 17. Quand, en fait, on s'est vu la première fois, on a parlé justement un peu de ce renouveau de la chaîne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour que, du coup, ça puisse plaire à des gens, qu'on puisse sortir du gaming? Parce que même Henri avait fait le tour. Et le premier concept qui est ressorti, ça a été, du coup, de se mettre à faire un peu ce qu'on appelle du react. Mais nous, on voulait le faire vraiment correctement, avec un beau montage. Le premier concept qu'on a mis en place, c'était les maisons de stars, qui est arrivé et qui a vraiment, à l'époque, je me souviens, cartonné, mais de fou. Les gens ont adoré ce concept. Entre temps, on avait tourné, du coup, le Kidnou 4 sur Twitch. Kidnou 4 qui, d'ailleurs, nous a vraiment fait avoir des nuits blanches de travail. Mélissa, il me semble que son premier montage a été justement maison de stars. Et donc, on a bossé sur maison de stars et Karma, les gens ont un Karma nul qui a vraiment, pareil, 1 500 000. Elle a cartonné, celle-là. Hein, vraiment, c'est... je pensais pas que cette vidéo allait faire autant. Tribunal, il est banni avec Jill. Celui où t'as failli faire bannir Jill. Les deux, en fait. Ouais, la première fois, c'est j'ai mis des boobs dans le chat de Dojna. Ouais, c'était quand j'avais la sphère de baloche. Et la deuxième fois, c'est parce que j'avais mis un site de cul sur le stream de Jill sans faire exprès. Ah, ça, par contre, ça, vraiment, on est vraiment passé à rien de la catastrophe. Tu sais que, genre, elle a envoyé tout de suite un message à Ben de Twitch, qui à l'époque était notre référent à tous. Et genre, elle a écrit ça, et Ben de Twitch, il lui a envoyé quel con, 3 petits points. Ben qui a dit les termes. Hein, le premier on en rit, réagir à vos montages fonds verts. En fait, YouTube, pendant un moment, je pense que vous vous souvenez, était très très communautaire, très axé communauté. Il y avait les fameux hein, j'ouvre vos Snapchat, j'ouvre vos machins, vous faites ça pour moi. Enfin, il y avait beaucoup d'aspects communautaires, et avec le temps, je trouve que ça s'est vachement perdu. Et en fait, on s'est dit, et pourquoi pas être un peu justement les outsiders, se dire, vas-y, on met un mail à dispo, on nous donne une deadline, et on voit si des gens se chauffent. On avait tourné des fonds verts, ça nous a pris toute une journée de tourner des fonds verts avec les baguettes, les machins et tout. Et en fait, c'était grave cool, et même 1,5 million à terme. En plus, il y a la vidéo d'Harry Potter à la fin qui est incroyable. C'était aussi une vidéo marquante parce que c'était la première vidéo où je t'avais vraiment tout délégué en post-prod. Oui, c'est vrai. Parce que avant, j'étais encore en train de superviser. J'expliquais à Samy comment j'aimais que les choses soient faites, comment j'aimais les zooms, comment j'aimais les musiques, etc. Et à partir du On en rit, le premier, en termes de processus de créatif, c'était vraiment je tournais, je la donne à ma monteuse, la monteuse l'envoie à Samy et Samy fait plusieurs passes dessus avant de m'envoyer une version, genre une V4. Et moi, je commence à prendre le relais à partir de la V4. En fait, à ce moment-là, t'avais déjà compris plus ou moins comment on réfléchissait en termes de montage dans la chaîne, quoi. Donc j'avais très peu de retours à faire et ça me faisait gagner énormément de temps, en fait. En fait, c'est ça, chat, faut vous dire que les retours, c'est un truc qui prend énormément, énormément de temps. Et en fait, le but, c'est que moi, j'arrive, je sois le responsable et donc j'allège Henri sur plein de trucs. Là où il faut comprendre, c'est que c'est aussi compliqué pour un créateur de déléguer parce que t'as l'impression, des fois, de perdre le contrôle de ta vidéo. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu ne la vois pas. Avant une V4, tu sais pas du tout ce que moi je peux demander comme retour, tu sais pas du tout si la vidéo va te plaire. Et en fait, du coup, ça demande ce truc de moi, il faut que je prouve, il faut qu'Henri fasse un effort en comprenant que je suis pas forcément dans sa tête, en fait, c'est normal, mais que du coup, je comprends les codes d'internet et qu'on peut faire une bonne vidéo comme ça. Ah, la vidéo d'anniversaire. La vidéo d'anniversaire, c'était mon anniversaire et le concept c'était de me dire c'est mon anniversaire, mais c'est moi qui vais offrir les cadeaux aux gens. Et donc, c'est moi qui voulais donner des subs à des streamers. C'était vraiment cool de voir la réaction de beaucoup de gens. Le plus dur aussi dans ce genre de vidéo là, c'est que forcément, comme tu fais des cadeaux, tu t'attends. En fait, ce qui fait vraiment que la vidéo est cool, c'est de voir la réaction du streamer en question lorsque tu donnes de l'argent, tu vois. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est lorsque les gens ils sont vraiment contents, quoi. Mais t'en as d'autres, ils réagissent pas du tout. Genre, je viens de claquer 100 balles sur ton stream et le mec il est impassible. C'est ça, le mec il ouais, merci. Merci pour les. Tu sais, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est vraiment le gars, il est habitué à rouler sur l'or, merci. Et donc, du coup, genre, des fois je lâchais des grosses sommes pour que j'ai pas de réaction et tu sais, je suis en mode putain, ma vidéo. Sachant qu'aussi, il y a un truc avec ce genre de vidéo où faut faire très attention. C'est ce truc aussi de c'est il faut pas, en tant que créateur, pousser à la surenchère que l'autre fasse
fasse n'importe quoi. En fait, j'aime pas ce délire de je te paye et tu te fous et tu deviens un singe, quoi. C'est ça. Genre, je trouve ça un peu cringe sur les bords. Donc, le but, c'est de passer un peu. En fait, ils te doivent rien. Ils te doivent rien, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr, bien sûr. C'était une chouette vidéo pour le coup. Et je pense que c'est bien de le faire de temps en temps. Le pire date chat, vraiment, dites-vous que c'est le trou financier de la chaîne. Les gars, ça a coûté 50 000 balles. Ça a été une vidéo d'une production de Fou Furieux. Mais j'en suis très fier. Mais c'est une vidéo qui a été vraiment. On y a passé des semaines à penser aux happenings, à l'écriture, etc. Et derrière la vidéo, enfin, vraiment, c'est une très, 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 très belle vidéo. Ah non, mais ce montage-là était vraiment. Qui était mal parti, hein. Vraiment qu'on se le dise. Parce que, vous savez, nous, on est aussi partisans de c'est pas parce qu'on fait une production qu'il doit pas rester. Il doit pas y avoir les codes YouTube. Et donc, le but, c'est de vraiment faire comprendre aussi, même au monteur, qui par exemple, là, le monteur va être un mec habitué aux productions. Et du coup, va se dire, ok, c'est plus calme. Non, tu vois, genre, nous, on veut quand même vraiment les classiques de YouTube, quoi. Genre des mouvements de caméra, les bons sound effects, etc. qui vont avec, quoi. En fait, c'était la première fois que j'ai dû valider un casting aussi. J'avais jamais fait ça avant. Moi, j'ai une idée de vidéo en tête, mais du coup, pour jouer le rôle des différentes personnes, genre le serveur, le cuisinier, le chanteur, nanana, on a vraiment eu une session casting. J'avais des slides avec les têtes de chaque personne, des rôles qu'ils avaient joués dans différentes productions. Et donc, du coup, j'ai trouvé mon serveur, j'ai trouvé mon cuistot, j'ai trouvé mon chanteur, mais encore à chaque fois, c'est un pari. Là, on est dans des conditions de tournage, comme c'est un prank, c'est du direct. Donc, il n'y a pas le droit de se louper. C'est une prise. En fait, c'est aussi la façon de gérer l'hétérogénéité des différents acteurs. T'en as qui sont très bons, t'en as qui sont moins à l'aise, et donc du coup, faut réussir de créer une ambiance et un jeu qui est crédible. C'est pas facile. Là, la personne, et je le dis sans aucune animosité, qui était un peu en dessous, c'était notre cuisinier. Il y avait énormément de mal et beaucoup d'appréhension déjà dans le jeu, et aussi surtout sur la cascade de fin de tournage. C'est simple, en répétition, il ne l'avait pas réussi. Pendant toutes les mécas, il n'a pas réussi à vraiment faire un test. Et donc, ça veut dire que là, quand on a tourné ça, on ne savait pas s'il allait oser en fait vraiment. Parce qu'en fait, en gros, il avait pas besoin de se jeter sur la table. Il fallait qu'il tombe de telle manière parce que, en fait, il y avait des scratchs sous la table. Et donc, quand il tombe sur le côté, la table part en fait avec lui. T'sais, en fait, il fallait juste cette impression là. Même du coup, en méca, il ne l'a pas fait. Chose évidemment qu'on peut comprendre. Et en vérité, il a bien réussi. Il a bien réussi. Il a assumé jusqu'au bout, donc rien à dire là-dessus. Je suis content de l'avoir fait. En plus, ça m'a permis vraiment de me faire une bonne pote, Dejna et tout. Ah oui, Dej. Dej, vraiment, aujourd'hui, on est vraiment devenu pote. Déjà à l'époque, avec un manga, c'est Fall Guy, c'était cool, mais c'est différent de faire vraiment un gros projet avec quelqu'un IRL, tu vois. Je deviens astronaute. Cette vidéo-là, je la trouve très drôle. Jusqu'à ce jour, je m'explique pas pourquoi elle a pas marché. Je pense parce qu'elle est agréable et je pense peut-être drôle à regarder, mais elle est pas ultra divertissante. En plus, moi, je suis dans la vidéo, on sait pas trop d'où je sors, parce que aussi, faut se dire, c'est qu'il y a un moment où je me pointais en vidéo, personne ne savait qui j'étais. Mais tu sais qu'en plus, après cette vidéo, t'avais un petit qui t'avait reconnu à Starbucks et il avait dit c'est vous, monsieur Samy. Ouais, il y a un petit qui m'a reconnu à Starbucks. C'était la première fois que du coup que ça m'arrivait. Il y a l'anomalie, par exemple, Crappy Design. Je pense que c'est la miniature, elle est incroyable. La miniature est fantastique. Et surtout, il y a des trucs vraiment lunaires dans cette vidéo. Crappy Design, c'est... Et puis là, pour le coup, c'était vraiment la vidéo où, pour le coup, on commençait à savoir qui était Samy, du coup. Je crois que l'un des top commentaires, c'est de donner une chaise à Samy. Hein. Oui, c'était vraiment, genre, l'un des commentaires, c'est la prochaine fois, n'hésite pas à mettre une chaise pour Samy, ce sera plus confortable. Parce qu'en vrai, genre, à toutes les reacts, c'est Samy, viens. Samy, viens voir. Samy, viens voir. Samy, viens voir. Attends, viens voir. Samy, viens. Je te fais venir beaucoup, mais. Ce qui nous emmène sur l'app, à mon sens, la deuxième plus grosse vidéo de 2022. En fait, je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo elle est importante aussi pour la chaîne. C'est que déjà, c'est le prolongement de ce que j'avais appris dans la vidéo Peer Date, c'est-à-dire gérer un casting. Ouais. C'était le prolongement de la vidéo de Kevin, le meilleur président, ouais, qui était aussi sur le rire jaune. Et je voulais donner une suite à ça. Je me suis dit, ce serait trop cool. Ça vous ferait trop kiffer que 5 ans plus tard, je refasse une vidéo de même type. Et surtout, c'était un retour sur l'humour du rire jaune, n'était pas revenu depuis un moment sur la chaîne. Le dernier podcast remontait à décembre, tu vois. Donc vraiment, redonner cette patte le rire jaune sur la chaîne, c'était important pour moi. Les retours ont été tellement positifs. Et en fait, cette vidéo-là, elle m'a fait prendre conscience que, l'écriture, j'aimais bien ça. Et ça m'a rappelé que j'étais pas obligé de faire du react constamment, que je pouvais faire du jeu. Et c'est pour ça que, après cette vidéo-là, quand je vous dis que j'avais une panne créative, c'est que après cette vidéo-là, tout ce que je produisais après, je le trouvais en dessous. C'est-à-dire que pendant une période de 6 mois, j'étais pas fier de ce que je faisais. C'est pour ça que, pendant tout ce temps, vous avez eu énormément de react. Ça veut pas dire que j'ai pas kiffé certaines vidéos. C'est juste que j'avais pas l'impression que c'était aussi fort que ça. Septembre 2022, ouais, c'est là où il y a eu le virage, ouais, pour que 5 mois plus tard, on revienne avec des sketchs comme sur le rire jaune. Et là, c'est tout de suite les mêmes ressentis, quoi. Depuis septembre, vraiment, le but c'était de remonter. C'est pas forcément, encore une fois, les règles de l'été. Moi, j'ai une affection qui est toute particulière pour les règles de l'été. Ouais, c'est vrai que ça t'a plus marqué que moi. Ouais, quand tu m'en parles, à chaque fois, j'ai l'impression que tu kiffes ça. Moi, c'est une période où j'étais en mode usine. Parce que cet arc-là, je le trouve incroyable dans le changement de dynamique qu'on a pu avoir, nous et même la chaîne. Enfin, de toute façon, vous
le savez, moi je les sauce dès qu'on peut et parce que c'est évident. Et on travaille vraiment avec des monteurs, une graphiste et tout, qui sont hyper quali, qui sont hyper carrés. Là, League of Legends, bah on est revenu avec des podcasts qu'on a sauvé. Regardez, en fait, il faut savoir que de base, on avait une autre miniature. Et a priori, c'est le genre de miniature que j'aurais pu mettre sur un podcast que j'avais fait il y a 5-6 ans. Tu vois, genre ça aurait pu être largement sur le rire jaune et les gens auraient fait péter la vidéo parce que on comprend que c'est un podcast League of Legends. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs paramètres qui sont rentrés en compte à ce moment-là. C'est que là, quand on a sorti cette vidéo, bah ça fait depuis 3 ans que je fais du gaming, qu'il y a des miniatures que je sorte qui sont à peu près dans la même veine. Et en plus, il y avait déjà la chaîne gaming qui était lancée. Ouais. Ce qui fait que cette miniature-là, bah elle évoque grandement en fait un best-of League of Legends. C'est ça. Donc les gens, quand ils voient ça, ils se disent bah en fait, c'est un best-of League of Legends, je regarde pas. La vidéo est un flop monumental. C'est un podcast, tu vois. Ouais, c'est mon sûr. Format phare. Je me suis dit, putain, si même mon format phare il marche plus, c'est la mort, tu vois. Je me suis résigné à me dire que cette vidéo allait pas marcher jusqu'au moment où, à un rendez-vous un lundi, on parle de je sais pas quel projet et tu montres une miniature. Et je me dis, mais en fait, on peut largement s'en inspirer pour faire quasiment la même miniature pour League of Legends, tu vois. Et donc, du coup, on est arrivé avec cette miniature là. Et là, tout de suite, tu comprends que c'est plus un gameplay, mais c'est un podcast. C'est ça. Et là, les vues sont remontées. Mais je te jure que c'est monumental parce que quand tu regardes les données analytiques, tu vois clairement un moment où la courbe elle fait pfff. C'est ici, tu vois, c'est plat. Et en fait, là, ça fait ça monte d'un coup. Et là, ça remonte d'un. Et là, ça remonte d'un coup. Sur la première semaine, la courbe elle fait ça. C'est ça, ouais. Les minias, maintenant, le game, c'est en fait, il faut être cohérent. Moi, c'est ça le vrai truc que maintenant on cherche, c'est d'avoir des minias cohérentes. Faut avoir évidemment des jolies miniatures, c'est normal. Mais c'est pas parce que ta minia elle est faite par un mec qui te fait les Avengers qu'en fait, c'est une minia qui va fonctionner. Pendant un moment, il y avait un gros problème, je trouve, au niveau des miniatures YouTube. C'est surchargé. C'est qu'elles étaient surchargées, sursaturées. Il y avait des couleurs de partout, des éléments de partout. Et factuellement, ça marche pas. Maintenant, on connaît un petit peu le retour de la médaille, on va dire, avec MrBeast. Tout le monde pense que MrBeast, parce qu'il fait 36 versions, c'est lui qui a découvert les clés de YouTube. C'est faux. MrBeast, il fait des vues parce qu'il dépense 50 millions par vidéo. Il s'est fait connaître comme ça. Maintenant, c'est le dieu de YouTube, c'est quelque chose. Genre, maintenant, les gens cherchent de la cohérence dans les minias. Par exemple, le podcast sur le MMA d'Henri, la miniature, elle est efficace. Mais tu sais qu'encore une fois, on a changé la miniature. C'est bon, on comprend. En fait, là, on comprend que ça va être un podcast sur le MMA, ou en tout cas, ça va en parler. Et en plus, on voit cette miniature qui est hyper graphique où Henri se fait étrangler. C'est bon. Tu vois un titan derrière, tout le monde connaît Greg. Greg, il monte vraiment. En fait, ce qui me tabasse maintenant, c'est que maintenant, toutes les vidéos qui sont sur le MMA, ils prennent toute cette pause. On s'en fout, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est faire des minias efficaces. Que les gens derrière, ils les reprennent ou quoi. Tant que ça change un peu, tant que c'est pas du copier-coller. Dating en siblings, bah ça. Oh là, on a fait une pirouette, mon gars, sur ce montage. En fait, faut savoir que sur le compte Dating en siblings, donc vous connaissez le concept maintenant, hein, c'est un compte Instagram où en gros, bah t'as un mec et une meuf, ou d'ailleurs c'est des couples gays des fois. Et en fait, la question c'est de savoir est-ce qu'ils sont frères et sœurs ou est-ce qu'ils sont en couple. Et le truc c'est que sur ce compte Instagram, régulièrement, même s'il y a des publications, il y en a beaucoup qui sont supprimés parce qu'il y a des couples qui cassent en fait. Ou alors qu'ils demandent le retrait de la photo arrive à un certain moment. Ouais. Et donc du coup, le problème c'est qu'il y avait une photo qui était banger et c'est cette photo que vous voyez sur la minière ici. Et faut savoir que cette photo a été supprimée du compte Instagram. Sauf que toutes les autres photos qu'on a vues dans la vidéo, on n'a aucune qui donne envie de cliquer en réalité. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que sur la miniature, on a quand même mis cette photo pour pas que la vidéo devienne putaclic. On a pris un autre moment dans la vidéo où la réaction, elle correspond exactement à ce qu'on aurait dit si on avait vu cette photo. Et on a remplacé la photo. Et donc vous avez été floué. On vous a menti. Et voilà. La vidéo, on répond plus grand dilemme d'internet, c'est celle qui m'est très chère entre guillemets, parce que c'est vraiment notre première prod de A à Z. Qui n'a coûté que dalle. Oui, parce que bah, parce qu'on sait faire les choses nous-mêmes avec des gens compétents. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vous aimez pas le fait que YouTube commence à prendre un tournant qui ressemble beaucoup à la télé avec les grosses productions. Et là, on essaye vraiment de faire comprendre que oui, on augmente en gamme, mais parce que c'est une prod qui ressemble à de la prod classique, bah parce que c'est comme ça, il faut mettre à fond les codes d'internet. C'est-à-dire que dans le montage, faut pas monter comme si t'étais à la télé. Non, justement, faut faire des reverbs, faut mettre des textes écrits. Et c'est comme ça que même si on augmente en gamme en termes de production, on a toujours l'impression d'être sur internet en fait. Et ouais, en vrai, c'est trop cool parce que on a encore, dites-vous que là, en termes de planning, on est plutôt bien. Nous, on va arriver du coup à peu près vers cet été en fait, hein, tout doucement. Il y a encore des trucs sympathiques. Faut encore que je me pose un petit peu là, je suis très freestyle en ce moment parce que je pars en vacances bientôt, mais il faut que je me repose sur comment on va gérer le printemps et l'été. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la chaîne principale. Mais en tout cas, les gars, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.